Yo! Est-ce que la connexion va tenir? Ça a l'air d'aller. Alors, ce soir, un petit live tranquillou sur Tales of the Neon Sea. C'est le jeu gratos d'Epic du mois. Mais... les graphismes ont l'air somptueux. Donc ça m'a bien donné envie d'essayer. Bon, on va voir. Ça se peut, ça va être de la dope. Ça se peut, ça va être trop bien. Je connais pas du tout. Ah, anglais. Oula. C'est pas dit que mon anglais soit brillant. Ça fait chier, ça. Il y a vraiment pas... Les salauds, les salauds. Oh là là. Donc c'est un jeu d'aventure, d'enquête, de réflexion. Oh. Au secours. On va jouer, oui, et s'ils disent avec le pad en premier, à mon avis, c'est que c'est un jeu qui joue plus facilement. Pad. Alors, on move avec le joystick. C'est quoi? C'est confirmé. Cancel, interagir et inventaire. Et on run avec ça. Ok. Putain, quel enfer! Ma tête va exploser. Et c'est un game over énorme. Yes. Ça fait mal. Je n'arrive pas à croire que je suis toujours en vie. Ce fungi. Ouais, ok. Ah, c'est exactement ça. Ah, ça fait chier que ce soit en anglais. Pas le courant. Ouais, faut pas aller par là. Mon chapeau. Ouais, il y a un rat. Les robots qui sont tombés.
Les valves pour... Quoi? Ok, donc maintenant il se sent mieux, il a son petit sur l'épaule, monsieur. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est en haut. C'est fort, non? Ah, c'est notre pote William le chat. Mais au secours, j'aimerais bien. Je peux pas. Désolé. Alors, comment es-tu arrivé ici? Va jouer ailleurs. Je n'ai pas besoin de plus d'ennuis maintenant. C'est à quoi il lui répond, miaou. Énorme quoi. Ah, il va nous suivre. Trop bien. Qu'il est des nouveaux. Tu en as un coup. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta mort? Yes. Alors. Putain, mais si tout est en anglais, ça va être. Ouah, ça va être compliqué, hein. Alors, prière pour notre psaume. He bring with him a bit of a voice. Ah, yeah. God of reception, we sing for you, our body, our flesh, as well as Iron, and you will guide us into fusion. Ah, c'est une prière pour le psaume, mais je sais pas c'est quoi le psaume. A tué le roi des oiseaux. By that time, human and robot will be fused into one. Ah, il veut fusionner la robotique et l'humanité. Il a choisi la fin synthétique de Mass Effect. Énorme. Ah. Y'a pas de station, y'a pas de courant. J'ai besoin de remplacer ce câble pour ça. I need to fix the generator with it. Ok. Bon, avec une pince et un tournevis, je peux peut-être démonter le robot là. Ah ouais? Vous voyez pas ça comme ça? Ok. Donc il me faut un câble et des piles. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il y aura une batterie? Il l'a pris? Pardon, la bonne curseur.
Non, on va pouvoir prendre ça. Encore. Allez, petit chat. C'est une chiasse. T'as fait peur aux tous les rats comme on est censé faire maintenant. Quoi? Tu veux aller là-dedans et attraper des rats pour moi? Est-ce que tu es sûr? Ah oui, avec sa gueule, il va pas pouvoir prendre plus de... Enfin, les trois... Ah merde. Oui, d'accord, faut arriver dans le dos. Hein. Attends, si je lui fais peur, il va où? Il va là. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, il faut que j'arrive à en attraper deux. Mais attends, si je monte là, j'arrive ici. Ah, mais je suis con. Donc là, lui, c'est bon. Je peux l'attraper. Énorme. Et le dernier. Losange. Bon, voilà, c'est tout bon. Ok. Alors, j'ai eu toutes les énergies, il est temps de retourner voir l'autre connard. Donc, j'ai les énergies. Maintenant, il me faut le câble. Et quelque chose me dit que ce câble a l'air magnifique. On a tout? Câble, batterie. Je crois qu'il manquait rien d'autre. Je sais juste pas si on peut monter, non on peut pas. Hein. Pardon, Xili. Ok. Donc réparons la machine. Là. Bah non. D'abord le câble. C'est bon là? Non, en bas c'est pas alimenté. Il faut que ça soit alimenté de tous les côtés. Ok. Oh bah alors. Ah oui, attends. J'avais pas vu. Mais il y a le symbole inférieur. Donc ça est inférieur. Techniquement. Non! Ça, c'est le plus gros. Est-ce que c'est un rapport aux deux? Ok.
Là, il y a 3. Comme ça? Ah oui, mais non. Voilà. Ah. J'arrive pas à comprendre le cœur des rats, en fait. Si je vois 3 trous, là j'en vois 2, j'en vois 1. Ah, c'est... Je suis con. C'est bon, je l'ai. Il y a les petites résistances sur le côté. Mais ça suffit pas. Bah oui, mais non. Ouais, ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, c'est logique. Pas du tout. Ah, faut que je remette des... Everything is ready to go now, I just... Allez. Ah oui, d'accord. En train de revoir ce qui lui est passé, ce qui lui est arrivé, pardon. C'était déjà le prologue. Ok. Genre, elle est revenue dans le temps. Oh, Wally. C'est l'heure de se réveiller. Ah, bordel. Débrouillant. Alors... scanner du corps. Ah. Les parties mécaniques de ton corps présentent des fatalités. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans mes yeux. Ok. Mais ok. Ah, le mémorax. Quoi, ça veut dire que je peux faire des améliorations, en fait, c'est tout. Je ne t'ai pas menti. You realize that you have chosen my bar the past 2 years. It's a miracle that I can see. Ah non. Bon. Fashion une console, mais la cassette est cassée. Si j'en trouve les nouvelles, je pourrais jouer au jeu ici. Oh. Mince, qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Oh, il y a beaucoup d'easter eggs là. Hein. On a juste un petit poster de Luffy. Lost, la série. Il
Il doit y avoir d'autres rêves que j'ai pas au niveau des tableaux et des photos. Belle rouquine en arrière-plan. T'as vu ça comme elle est jolie? Ah mais le jeu est en anglais, je comprends pas tout. Ok, ah, attends, mais ouais, il y a des trucs là, il y a un set, un truc. Ok. Putain, mais il y a combien de pièces? C'est immense. Sinon, ça va, là, Joconde? Comment vas-tu? Oh. Putain, mais c'est infini! Comment je suis censé me repérer là-dedans, moi? Pas le temps de visiter les chiottes. Ok. Bon bah ça résout pas mal. Là. Bon ça va. Tranquille. Comme depuis ce temps de confinement de merde. Et là on est reparti comme un 14 quoi. Je stresse un peu, demain réunion pour savoir si j'ai du taf ou si je suis dans la merde. La chaîne se passe bien. Bah on a atteint les 50, ça y est. Maintenant le palier c'est 100. Juste ça stagne un peu mais ça se passe bien. Bah oui parce que du coup avec les ados, comme ils sont confinés tout ça, c'est pas sûr qu'on puisse ouvrir le centre. Et qu'ils auront avancé les vacances. Donc si on peut, ça veut dire qu'il faut gérer le planning de ouf. Et avancer comme un dingue toutes les activités qu'on avait prévues, tout ça. Si on n'ouvre pas, bah dans le cul. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais du coup, réunion demain. Savoir comment ça va se dérouler. Et je pense que si je suis confiné, à mon avis, ils vont me foutre au centre de vaccination assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Ok. Donc faut que je refasse les lampes. Ok, une clé. Au centre de vaccination, je gère l'accueil essentiellement. Donc j'accueille les personnes, je prends leur température, je suis vigilant au fait qu'ils se lavent bien les mains aussi. Je prépare les papiers. Si c'est la première dose, ou le rappel, il faut que je prépare différents papiers. Et une fois que tout est en ordre, j'emmène les patients en salle d'attente. Je transmets le dossier à mes collègues avant qu'un médecin ne les accueille. Ah, faut que je répare les lampes avant de voir l'armure. Ok. Donc c'était en bas. Alors, j'ai besoin de faire des rotations pour rallier les trucs, c'est ça? D'accord. Bah non, c'est de la merde ce que j'ai fait. Oh là là, quel enfer! Mais non, du coup le deuxième va pas. Attends, là j'ai une base. On. C'est bon. Bah c'est Moselle et Madon qui mettent ça en place, donc du coup bah ils appellent en renfort l'ensemble de leurs salariés, il y a les mecs de la QMM qui y vont aussi, des fois il y a les mecs de la Filoche aussi, et donc du coup nous c'est pareil, on donne un coup de main, et surtout que là en ce moment l'accueil des adolescents est un peu compliqué, donc effectivement on est appelé, on est sollicité sur le centre de vaccination quoi. Donc qu'est-ce qui se passe près de cette armure?
Cette place est vraiment hantée. D'après mes observations, je dirais qu'il s'agit d'un chat. Ah bah oui, mais c'est notre pote de tout à l'heure. Celui qu'on avait dans les égouts. Donc on est remonté dans le temps, en fait. Ah, il faut que je défonce à la clé mort. C'est un jeu PC qui est en ce moment gratos sur le Epic Game Store. En fait, j'adorais les pixels et l'ambiance, tout ça, mais je savais pas qu'il était en anglais, je l'ai un peu dans le cul. C'est un jeu de réflexion, d'aventure, tout ça, quoi. Donc ça a l'air sympa, mais. Mais si tout est en anglais, je sais pas si j'arriverai à me mettre dedans entièrement, quoi. Bon, cette putain de clé mort. Merde, non. L'alcool. Ah, c'est... je peux visiter les chiottes, ça y est. Et la clé mort va aller dans les chiottes. Bah voilà, je te le dis, moi. Ah, il aime beaucoup les femmes, le monsieur. Ok, donc on va pouvoir casser l'armure et donc du coup libérer le chat. Pour l'instant, je capte pas trop bien ce qui lui arrive au mec. Bah allez, pète tes gueules. Ah non, merde. Ah non, d'accord, on lui donne. Donc c'est William le chat. Surtout les rouquines, il aime les odeurs. Il aime quand ça pue de la charte, en parlant de chat. Donc c'était toi là, le fantôme dans l'armure. Comment est-ce que tu as fait pour finir là-dedans? Miaou, 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 énorme. Ok, donc on a débloqué notre coping. We can finally go- ah, je peux changer de pièce? Oui, il m'emmène là, en fait. Ouais, non, il m'emmène là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le processeur et le décodeur ne marchent pas. Je me souviens d'un processeur au premier étage. Et pour le décodeur, il va falloir démonter quelque chose. Ok. Non. Je pensais que c'était l'horloge que je... Oh là. Techniquement, il est... premier étage, c'est ici. Mais putain! Mais ça me dit rien, moi. Ah, le journal, ouais. La colle. Hey. Les fringues. Fringues. La cassette. La console. Ça va pas être ici, en fait. À part si c'est dans les chiottes. Oula, le café qui me fout des remontées acides. Produits de santé, l'hygiène, mes couilles. Non, bah c'est pas là, en fait. Faut descendre.
Il n'y a pas de petits sorciers qui vivent ici. Ah, pas de clin d'œil à Harry Potter. Mais... Je reste calme. Donc... Ce serait ici qu'est son truc là. Oh, un petit cul. Ouais. Je vois pas où il est son truc hein. Ah. Ah, le processeur est en haut. Alors... Me v'là bien emmerdé. Le chat il veut pas y aller. Can you get that box down for... Ouais voilà. J'ai sauvé tout à l'heure, salaud. Ok, donc il... Est-ce qu'on lui proposerait pas une charte? Ah, je pense que du poisson. Ah ouais? Bon bah, une petite charte alors. Ah, il y a quelqu'un? Bon bah on ira marcher. Il a pas voulu de ma chatte. Bien joué ma gueule. Il essaie de lui refoutre son poisson quand même. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant... Ah ouais, faut qu'on aille dehors avec lui. Non, faut que je répare d'abord le truc. Alors il faut que je démonte, il avait dit qu'on l'aurait si on démontait quelque chose. Je vais déjà remettre la pièce que j'ai. To get one from other household appliance. Je ne sais pas. Ah. Ok, donc là maintenant. I need to find a multi-purpose method and check some household appliances. One of them should have compatibility. Ok. Ça, on avait dit. C'est ce que je pense, ça, c'est le poster dans la chambre.
Putain, il faut trouver comment le lire du coup. Ah, je ne sais pas. Et que ça correspond pas du tout les symboles. I really need to. Ah merde. Là ça correspond maintenant. Aïe. Attends, c'est un code à combien de trucs? 1, 2, 3, 4. Mais non. Un chiffre à 4 codes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a 5 lignes. Du coup, je comprends pas. Ou alors, c'est 7 2 2 3 7 ou 7 3 2 2. On va tester ça. 2 2 3 7 ou 7 3 2 2. Sachant que. If you forget the code, ask a witch for help. Ok. 2 2 3 7 ou 7. 3, 2, 2. J'ai oublié. Ah! J'ai pas de mémoire, moi. Faut que je me le note. Sinon, c'est foutu, quoi. Donc. 2. 2. 3. 7. Ou alors l'inverse. Ok. Ok, c'était ça. Énorme. Donc maintenant, il faut que je trouve quelque chose à démonter qui aurait un décodeur. Elle m'a dit à la console. Ok, ça il veut pas parce qu'il veut... à la cuisine, pas à la console. Record YouTube, je me déteste. Tant pis. Donc là, c'est bon. Tiens.
Ah oui, d'accord, il y a le symbole derrière. Oh 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 oh. Yes, là on est bon. Ici, il faut que je les fasse plus gros. Ok. Ok. Ah, il y a un petit... Voilà, c'est bon. Et là... On y est presque. Oh, c'est bon là. J'ai galéré sur celui-là. Est-ce que tu peux parler, mon bébé X? Non, il est mort? Ah, donc je vais devoir aller acheter des pièces pour le réparer. C'est là que je vais sortir, que je vais enfin découvrir la ville. Time for that play. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as des rumeurs? Certaines personnes sont terrifiées parce qu'ils ont vu d'étranges ombres bouger près de leur empreinte. Ça, c'est très dur. Ah, les élections, parle-moi des élections. Ok. Ah, le Reaper Shop est là. On va déjà aller ailleurs. Seven Eleven. Ah, je peux pas aller au dragon. C'est beau, hein. Ah ben, je veux pas aller au Reaper Shop, moi. C'est bizarre, personne n'est là. Quoi ? Thank you.
Effort for you to become my test subject. Quoi? Eh ben. Alright, come back when you got can and anytime, leave me alone, whatever. J'ai pas de sous. Je peux rien faire pour BBX actuellement. Je devrais probablement suivre William et regarder ce qu'il a trouvé. Ok, allons-y, ça sent le guet-apens. Match making series. Est-ce que tu comprends ce que je... Ah ouais, vache. I need to call the police immediately. Je vais trouver des preuves avant que les flics arrivent. You have underrated a crime scene. Donc je vous ai entré sur une scène de crime. Examiner chaque détail peut être la clé pour résoudre une enquête. Passer dans la vue de l'investigation pour trouver plus de traces sur scène. Sur la scène. Quand vous trouvez toutes les traces, vous allez combiner ceci en n'importe temps, éléments. Ok. Ah oui, d'accord, c'est ça la view. Ah, il faut tenir. Quoi? Mais s'il te plaît! Là, il y a un hématome, là. Elle avait pas l'air de tenir quoi que ce soit. Sa main est chelou. Ouais. Beaucoup d'aussi. Elle est pas dedans.
Eh, elle a une trace de chat là. Bon, attends, on va déjà combiner ce qu'on a. Ok. Alors, on estime que la mort est survenue il y a plus de 20 heures. Qu'il y aurait eu un vol de bijoux. Collecting clues. Bah oui, mais collecting clues, je veux bien, mais... m'en distraire. Comment on va le distraire, ce chien de merde? Ok. Tombé de la poubelle.
Ouais. C'est un flic, du coup, ça te paraît logique, hein. Oh, I think our next Ok. C'est une fan. Oh, la petite vendeuse de... Elle vit au 303. Ouais, on aurait pu tester d'appuyer sur d'autres boutons. Hey, qu'avez-vous fait hier, sac à foutre? Il a dormi toute la journée? Oh. Parlez-nous d'hier. Nous sommes allés au shopping après avoir mangé. Nous sommes revenus à 10h. Ils avaient des problèmes avec les chiens, visiblement. Et elle détestait les robots. Putain, du coup, ça me fait chier, je me dis que j'aurais peut-être pu enquêter. Ouais. Comment je.
Ah. Ah, je me suis trompé. J'ai compris. La merde. Ouais, monsieur. Non, c'est lequel qu'il faut que je... qui arrive dedans, c'est celui-ci. Ok. Casse les couilles. Oh non. Aïe, 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 presque. Ah, mais oui, je suis con. Et là, c'est bon, non? Ah non!
Attends, j'avais pas une piste là? Ça c'est dur, hein. Que j'arrive à le descendre, je suis juste en dessous quoi. Non mais c'est pas le bon.
Ah non, c'est dommage. Ah, je l'avais. Je suis revenu au point de départ, mais je suis une bite. On peut pas tourner après, en fait. Oh, je veux que ça s'arrête. Est-ce qu'on s'amuse?
Ah oui, effectivement, grosse fan de chat. Ah, c'est moi qui dois le voir, évidemment. On sait que c'est un majordome. Ce serait l'arme du crime? Non.
Elle a beaucoup de code, hein. Quatre, un, deux, trois, quatre, cinq. Attends, c'était ça, hein? Cinq, deux, quatre, un. Pourquoi je peux pas taper? Quel sac à foutre? La couleur des tableaux, ça. Oh bordel de merde. J'arrive pas à voir. Là, c'est balèze. Pas du tout du pif. Ok, donc on a récupéré la clé du journal. Alors, I was feeling bit upset when I saw you at the door. They're saying the robot had become more legitimate lady, so the government is getting to restrict that the parent maybe stop. What you tell me? Hmm.
fait, voilà, donc il y a eu un mort. Hein. Et ça, c'était le 21 avril 2128. Le 21 avril 2128. Petite fille. Que la grosse là. Ça fait tourner, mais à vrai dire, celle-là non. Celle-là, ça pourrait aussi. Ah, ça marche. Ah non. Là oui. Là oui. Ouais, le chandelier et l'arme du crime ont été emmenés loin de cette scène. Okay.
I need you to bring me a girl named Janie. I need to ask her some questions face to face. Ah, mais lui il me fait confiance, parce que l'autre ça a l'air d'être un gros con. Faut que je retourne examiner le robot. Mais c'est pas logique. Ah d'accord. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 4 5 6 7 8 celle-là, j'ai absolument rien compris. Les bâtards, ils vont couvrir la petite.
Ça va suffire. Ah, le chat va le ramener. Bien, ouais, le chat qui ramène l'arme du crime. Et l'autre était en train de me dire que je l'avais pas. Oh la pute. La grand-mère lui offrait le chat pour son anniversaire. Elle l'a tué. Ouais, donc ils ont couvert le truc. Ils vont arrêter le vieux Claude alors qu'on sait qu'il a rien fait quoi. Ah si, il a volé. Il a volé. Alors, comment t'as trouvé l'arme? Voilà qui conclut le chapitre 1, je pense. Non, 2 heures plus tard. Ah, il parle. C'est le chat qui a caché. Les quatre mutants, les chats mutants. C'est la mafia des chats. Oh putain.
Ah putain. J'ai pas vu lui. Même couleur. Miss Anna, mais je sais pas moi. Couleur allez moi Miss Anna. D'accord que c'est pas toi. Ah c'est elle. Ah. Allez, rouge, jaune et vert. Je les teste. Hey, salut Nabag, bienvenue. Comment vas-tu? On a dit rouge, jaune et vert. Merde, comment je... Non, je fais nimp. C'était là que je devais aller. Et normalement, comme ça, si je fais ça, l'autre me laisse rentrer. Donc rouge, jaune et vert. Ok. Donc là, il va sauter dans le panier. Eh ben c'est très gentil à toi. Et effectivement, ouais, Sorda m'avait parlé qu'il t'inviterait sur le serveur Among Us. Je pense qu'il a prévu d'en faire cette semaine, donc mercredi ou jeudi, au revoir avec lui. Donc on, à mon avis, on aura l'occasion de jouer ensemble à Among Us mercredi ou jeudi, en fonction de, quand est-ce que Sorda lancera le, la soirée Among Us. Donc... Bourbon Family. Qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est ok Bratzé. Juste ne faites pas peur à notre petit ami qui est là. Désolé mec. Mais c'est eux qui ont le... Oh tu peux dire tu hein. Tu peux dire tu. Ça va nickel. Et toi, comment vas-tu? Ah oui, les BioCats. Je sais pas c'est quoi ces BioCats.
Mais ils ont l'air investis dans cette dans ce crime. La loi martiale des chats, non mais n'importe quoi. Ok, the good news for you is that I request from assistant with an important task if you agree to do for me. Alors, est-ce que je l'aide? Bah oui, évidemment. Chaque ça a sa seule destinée. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Don Vito? Donc il y a un biochat qui a infiltré sa famille et qui a révélé des informations aux ennemis. Et j'ai besoin, donc il faut que je trouve ce traître. Bon, d'habitude je joue à des jeux en français, tout ça. Mais là c'est le jeu gratuit du Epic Store du moment, et graphiquement il me donnait trop envie. Mais je savais pas qu'il était anglais. Donc est-ce que vous avez des suspects Martin, il a des détails à me confirmer. Allez, donc ça c'est pas Martin. Celui que j'ai parlé là, je peux plus lui parler au-dessus. Ah merde. Merde. Elle va me remontrer. Ok, attends. 1, 3, 1, 3. Ok. Non. Oh, il va trop vite. Yes. Polioman, quoi. Encore. Attends. 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 6. Je crois que c'est ça. 1, 3, 3, 2, 4, 6. 3, 3, 2, 4, 6. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que c'est? Énorme, sympa. Ah mais fallait que je voie ce trou du cul de Martin. C'est lequel? C'est lui? Non. Alors c'est lui. Oui. Alors, à propos du biochat, ou plutôt du traître, le boss et moi avons quelques suspects à l'esprit. Merci. Quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais les numéroter de 1 à 6, c'était plus facile, quoi. Alors, Tessio. Tessio, one of the founding members of the family. Tessio, il est accro. Alors, les baguettes capnip, j'arrive pas. Baguettes, c'est pas du pain. Can usually find him taking a nap in a safe box. Donc il y a Tessio, il y a Polly. Et Brad C. Mm-hmm.
côté. Alors ils sont là-dedans normalement les gadgets. C'est tout? Mais non. Merde, il me parlait de Tessio. Tessio, encore pris. Hein? Ah, bah c'est l'artiste du coup. Ah non, ça c'est Tom. Ah, c'est lui, Tessio. Ok. Je suis occupé, je suis pas intéressé, laisse-moi tranquille. Ok, I need to get Tessio. Donc il me faut du pain pour le faire sortir de là. Où est-ce que je vais choper ça? Quoi, ça sert à rien, le genre. Ouais, j'ai un peu d'expérience, mais il y a énormément de mots que je peux pas traduire non plus, donc du coup je me réfère aux mots-clés, et c'est ce qui me permet de comprendre les phrases. Parce que je te jure qu'il y a des trucs... Mais... Ah si, ça me permet d'aller plus bas. Ah bah génial. Ouais si, il y a peut-être quelque chose à faire là. Oh Polly, elle faisait partie des suspects. Tu as du talent... Ok mec... Quoi, c'est tout? Mais... Bah donc chier. Je peux aller dans cette fenêtre là? Oui. Oh merde, il va y avoir un code à retenir, je pense. Ah! C'est ça que l'autre il veut. Ok, donc je vais pouvoir. Mais c'est dégueulasse, il y a un bras qui sort du. Je vais pouvoir faire sortir Tessio. Ah merde, ça c'est le code ça. Ouais, mais je sais même pas comment on l'utilise alors. Attends, je suis Keblo? Non, non. Non plus. Comment je remonte, moi? Oh là là! Alors, normalement, le jeu, c'est pas non plus le chien qui est détective. Normalement, tu joues un vrai détective. Mais Google, tout simplement, comme ça. Mais tu as effectivement des phases avec avec le chat. Quoi? Bah ouais, mais je veux parler à Tessio. Mais comment j'y retourne moi chez...
Ouais, c'est comme un duo, ouais. Oh! Je l'ai pas vu, ça. Ah, peut-être qu'il me fallait ça pour parler à Polly. Donc maintenant que j'ai ça... Bah, elle est plus là? Oh là là... Oh là là... C'était où que je l'avais vue, elle? Ok. Ah si, elle est là. Mais par contre... Non, c'était mieux la position d'avant. Voilà, normalement je vais pouvoir aller parler à Polly. Juste là pour faire un test, t'inquiète pas. Ouais. Commençons le test, please. Ah, s'il te plaît, regarde cette licorne. Il semblerait qu'il n'y a rien d'anormal avec Polly. Donc, t'as passé le test, merci de ta coopération. Ouais, mais alors je ne sais plus comment on retourne. Comment on retourne à l'autre chat. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc lui, on a son herbe. Quoi? Ben, j'en ai. Attends, mais j'en... Pas fou. Je l'ai ramassé. Oui, elle était là-dedans. Et ça c'est que cet embrouille, il m'en faut plus. Oh les salauds, je suis obligé de remonter tout quoi. Je crois que je peux descendre plus bas en fait. Tu me détestes. J'ai rien à faire ici avec lui. Ouais, on reste comme ça. Si, si, moi j'aime bien, hein, c'est comme tu... Mais sois pas désolé, hein, y a aucun souci, c'est... Si t'as envie de dire des choses, c'est surtout pas que t'hésites.
Moi, ça ne me dérange absolument pas. Bien au contraire, un stream, le but, c'est d'échanger, quoi. Donc, j'ai déjà parlé, elle. Ah non, je pensais que je pouvais descendre plus bas. Donc, du coup, si je vais là. Bah ouais. Bah, du coup, c'est pas intéressant. Oh là, c'est compliqué là. Là, je pourrais l'ouvrir, mais il manque quelque chose. Lui, il veut pas tant que j'ai pas débusqué qui était le traître. Un beau casse-tête, ouais. Mais là, j'ai cramé l'air, donc là, il va la sentir. Quoi? Ah, il fallait la cuire. Et là, mec, là, regarde. Ok. Doit être Tessio. J'ai juste besoin de faire un rapide petit test avec toi. Donc calme-toi et dis-moi ce que tu ressens quand tu vois ça. Vas-y, monte-lui la licorne. C'est pas lui. Ce qui veut dire... qu'on n'a plus qu'un suspect. Qu'est-ce qu'il va il va me laisser retourner voir le boss? Merci mec. Ça c'est sympa. Ah, il a l'air d'avoir une réaction. Hein. Donc personne n'a réagi au test. Qu'est-ce qui s'est passé avec le boss et sa drôle de réaction? Je devrais plutôt faire mon rapport à Martin. Merde, Martin c'était lequel? C'était lui je crois. Hein. Ouais. Ok, donc j'ai rempli ma quête, normalement il doit me laisser passer l'autre. C'était où d'ailleurs?
Just wake up, go away. Ouais, donc ils sont emmerdés par le chien. Je devrais pouvoir monter en haut et faire tomber le panneau, je pense. Genre pif. Parfait. Et là, je récupère le chandelier. Et donc là, ça va être en raccord avec l'histoire avec l'inspecteur qui... Ouais, voilà, ok. Donc je dois te remercier d'avoir retrouvé l'arme du crime. Tiens, un petit peu de poisson grillé. Il se fait tard et j'ai encore beaucoup de choses à demander au vieil homme du magasin de réparation à propos de cet implant. Je dois prendre un taxi pour le bar. Bon ben... Hey, mon chat. Bon bah mon chat s'en va. Donc quoi, je vais d'abord au réparateur là. T'as même pas fait gaffe si... Ma caméra était bien placée. Ouais, ça va, je peux me foutre un peu plus en bas. Non, il y a le texte. Ouais, c'est pas mal. Donc... Ah, tu fermes si tôt ? Donc maintenant, bah, je dois rejoindre Royd au bar. J'ai commencé le jeu là, bah il y a... Ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je stream, donc j'ai commencé le jeu il y a 2 heures. Et t'inquiète pour les fautes, hein, c'est pas moi qui vais te prendre la tête avec ça, je... Toi, tant que j'arrive à te relire, c'est le principal, hein. Ça me permet de répondre à tes questions. Ok, donc on va rejoindre notre pote le flic au bar. Mais j'adore les graphismes en pixels cyberpunk futuristes. Je trouve ça trop cool. Alors, cette hallucination... est-ce que c'est vraiment la dernière pièce de mémoire? Ah mais il se rappelle que son corps était un... Parce que ouais, début du jeu, on se fait attaquer ou quoi, mais t'as l'impression qu'il remonte le temps, mais en fait, non, c'est... Il s'en rappelle. Oh! Hein? Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ah non, faut pas redescendre. Ça, c'est dur. Énorme. Mais non. Ah, c'est jamais les mêmes. Thank you.
Allez, je peux plus. Non, salaud. Ouais, c'est bien. Alors, il est où mon coping? Il est là. Oh, Luigi! Well, well. Si ce n'est pas notre fameux détective. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vends encore des informations? Ah, tu sais que les temps sont durs maintenant. Ah, peut-être que t'as des choses intéressantes pour moi. J'ai toujours des choses intéressantes. Mais peut-être pas intéressantes pour toi. Maintenant que tu le dis, j'ai quelque chose en lien avec l'incident qui s'est passé 10 ans avant. Peut-être que ça t'intéresse. Pas quelque chose d'important et je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Il faut plutôt le prendre comme une rumeur. Qu'est-ce que tu veux en retour? Bah, joue en carte, connard. Ok. Quoi? Est-ce que je joue aux cartes avec Monsieur Je Sais Tout? Bon, écoute, ouais. Tout ce que je dois faire, c'est le battre aux cartes. Ok. Alors, c'est quoi le jeu? C'est un blackjack? Y'a absolument aucun souci. C'est un blackjack. Et moi, je pense que je vais m'arrêter à 18. Qu'est-ce qu'il a, lui? 17, 23, il est cramé. J'ai gagné. Ah, il y a 5 rounds. Oh, il commence avec un as, le salaud. Il me faut une carte. 13, je reprends. Non. Non. Ah, il a cramé. Ok. On remonte à 2 partout. Ah, bah, je bouge pas là. Il crame. Oh, j'ai gagné. Dans les sous-sols, il y a des activités avec des robots. La rumeur dit qu'il cherche une clé. La clé de la révolution. Ok. C'est un peu compliqué. Pas une information qui concerne mon affaire actuelle, donc je peux pas aller à cette porte là. Bon bah, on va parler aux potes. Ah, te voilà, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? La prochaine fois, essaye plutôt de choisir un endroit qui ne soit pas aussi loin. Ouais, l'atmosphère excellente. L'endroit parfait pour une petite discussion en privé. Question, est-ce que quand on met la 4G avec la Wi-Fi, ça peut peiner la connexion ou autre? Je crois pas. Je crois que normalement, quand t'as le Wi-Fi et la 4G, c'est le Wi-Fi qui prend le dessus. C'est-à-dire que t'es forcément sur ton Wi-Fi. Et que du coup, si tu veux être sur ta 4G, il faut désactiver le Wi-Fi. Genre par exemple, moi, mon téléphone là. J'ai laissé... Ah non, j'ai enlevé le Wi-Fi. Donc là, je suis sur la 4G. Mais normalement, c'est ça. Hein. Quand tu mets la 4G, le Wi-Fi, il reprend le dessus et donc ça consomme sur ta Wi-Fi. Donc si ta Wi-Fi est mauvaise et que tu profites plutôt de ta 4G, il faut que tu désactives, j'arrive plus à parler, le Wi-Fi pour pouvoir arriver sur la 4G. Est-ce que tu te rappelles que mon corps a commencé à agir bizarrement depuis l'incident
au A003 Apocalypse Jardin. Un cadeau de mon vieux partenaire Abel. Bien sûr, afin de te sauver, Abel a choisi de se sacrifier lui-même. Ok. Donc en fait, j'aurais eu un accident. Et depuis, mon cerveau reçoit automatiquement des bouts de mémoire, comme ce robot. Chaque jour est un purgatoire. Sympa la petite musique là, mais elle me pète les oreilles quoi. Buzz visiblement. Je ne viens pas souvent. Je suis plutôt occupé ces derniers temps. Mais quand j'en ai l'occasion, je passe du temps avec mes vieux amis. C'est Xun qui m'a introduit ce bar. Je vais entrer dedans sans faire exprès lors d'une dernière tâche. C'est qui ce mec, il est lié à mon affaire? Est-ce que je parle de moi ou est-ce que je reviens? Désolé de cette question qui n'a rien à voir avec le jeu, mais comment on se renomme sur Among Us téléphone? Ah! Alors, je vais pas te mentir, j'ai jamais chopé Among Us sur téléphone. Mais je peux regarder si tu veux pour t'aider. Attends. Alors. Pipili pili pipi. Faut juste que je le télécharge du coup. Mais ça va, ça devrait aller. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et en attendant, on va réécouter l'histoire de Xun. Ok. Ouais, ça a pas l'air d'être un mauvais bourg. Oh, t'inquiète, y a aucun souci. Je suis à 61% de téléchargement. J'ai vu à la télé. Augusto. Augusto, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu parler de lui? Ah! Je vais aux toilettes. Oh oui, là, la vue est floue, là, non? Est-ce que je peux vomir si je vais pas aux toilettes, est-ce que je peux vomir sur Luigi? Bon, dis donc. Excusez-moi monsieur, mon nom est Bryden. Ah attends. Je reprends après. Ah mon gars, c'est téléchargé, je vais voir ce que ça donne.
Alors. Vous pouvez choisir votre date de naissance. Vas-y. Donc ça, je suppose que toi, tu as déjà fait. Ouais, je comprends. Les annonces. Ah ouais, tu peux randomiser un nom. Donc ça, c'est pas ouf en vrai. Quoi, tu peux plus te faire de. Tu peux peut-être plus te renommer depuis la mise à jour? Attends. Merde, une erreur s'est produite. Paramètres. Ça, non. Alors, si tu fais connexion. Ça va te ramener. Donc là, je le lis à Google Play. Ok. Vous avez créé un compte. Ah bah voilà, changer de nom. Et là, paf, Carge. Et là, on est bien. Alors attends, je t'explique tout de suite, hein. Alors en fait, je vais mettre mon écran, voir si je vois bien la caméra que je te montre. Ok. Donc là, tu as ton écran. Il faut que tu cliques sur cette petite carte-là. Tac. Et là, en bas, toi, si tu l'as pas encore fait, tu vas avoir soit randomisé, donc pour faire un nom au hasard, ou soit connexion. Tu vas te connecter, du coup, ça va te ramener sur ta fenêtre, si tu es sur... comme moi, pas sur iPhone, l'autre, tu vas arriver sur Google Play. Donc tu lis ton compte à Google Play, et une fois que tu as fait ça, normalement, le connexion se transforme en changer de nom. Moi, c'est ce que ça vient de me faire. Donc il faut juste que tu lis ton compte Google Play avec Among Us, et après tu peux changer de nom. Et pour ça, du coup, comme je t'ai dit, c'est ici, hein. Ce petit écran-là que tu dois cliquer. Et voilà. Et ça ouvre cette fenêtre-là. Et c'est à partir de cette fenêtre-là que tu lis ton compte avec Google. Merde. Hop. Ok. T'as réussi? Alors, désolé monsieur, mon nom est Bryden. Je ne peux pas aider. Eavesdropping? Alors, tu vois, eavesdropping, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, il veut parler avec moi. Est-ce que j'accepte? Oui. Je ne sais plus quoi faire actuellement. Mon ami a disparu depuis plusieurs jours. J'ai appelé la police, mais parce que les appels sont automatiques et parce que je vis sous le pont, personne ne va prêter attention à ma demande. Le district sous le pont, c'est un territoire de gang. Et la police n'a pas envie d'être investie près d'eux. Vous êtes ce fameux détective. Sûr que vous pouvez la trouver. Je vous paierai. Tu sais quoi? Laisse-moi te donner mes informations de contact d'abord. Envoie-moi ensuite les détails de la mission et de la personne disparue. J'y jetterai un coup d'œil. Ça marche. Je t'enverrai ça dès que possible. Merci beaucoup.
Ne me remercie pas. Je n'ai absolument rien promis. Oui, j'ai réussi. Eh ben parfait, nickel. Est-ce qu'on aide cette ivrogne notoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vais faire un aspirine. merci beaucoup. Je me sens vachement mieux maintenant. Je suis tellement chanceuse de rencontrer un gentleman tel que toi. Et c'est tout, tu vois. Mais tu vas rien me donner. Bon, les copains. Allez hop, c'est parti. Cool. Il paye sa tournée, le Xun. Ouais, bah on a fini le chapitre 1. Et du coup, ça me semble pas mal pour ce soir. Alors, juste voir l'introduction du chapitre 2. Ah bah. Ma tête me fait si mal. Je n'aurais pas dû boire autant la nuit dernière. Mais comment est-ce que je suis rentré à la maison? Eh, hey, bébé X, ramène-moi mes médicaments de sobriété. Salut, connard. Je ne vous parle pas, monsieur. Vous n'avez pas fait vos deux réponses. Hier, je suis terriblement déçu et triste. Puis t'as pas répondu à mon questionnaire, donc je suis d'autant plus triste. Ah oui, c'est vrai. Hein? Mobile junk, hein? Quoi, il a... Mais il l'a pas réparé, sa machine, ce con. Et qu'est-ce que tu fous sur mon lit, toi, salaud? Attends, si je l'ai réparé? Ah merde. Bon bah tant pis, bonne soirée. Ah mec. Oh non. Bois un café, mec, ça va pas. Non mais c'est bon, Clément, on va pas faire son vexé, là. Je me souviens que le récipient est près du corridor. Ah ouais? Ah non, c'est la recette. Oh putain, faut que je retienne ça? Ok. Paf. C'est bon. C'est RP, on dit qu'il a arraché la feuille. Faites pas chier. Ok. Il devrait y avoir assez d'ingrédients dans le studio. C'est quoi ton jeu sinon? Alors c'est le jeu gratuit de l'Epic Game Store actuel. Et c'est Tales of the Neon Sea. Mais c'est en anglais, je suis pas sûr que tu vas être conquis. C'est dommage parce qu'il est super cool. C'est un flic, un détective, dans un monde un peu cyberpunk, avec des phases d'enquête et tout. C'est vraiment sympa. Et comme tu peux le voir, il y a des petites références. Là, on a une petite affiche de One Piece. Là, on a le tableau de Lost. Et il doit y avoir d'autres références que je n'ai pas, genre ces masques. Peut-être que ces katanas sont issus aussi d'un jeu ou d'un film. Bref. C'est où que je fais mes trucs, moi? Les phases de... Ouais, bah oui, c'est... Mais c'est... Ça va, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas un anglais très compliqué, vraiment.
Par contre... Il m'a dit où est-ce qu'il était, là? Et du coup, tu... T'avais vu, ouais, le questionnaire sur Discord? Que ça, c'était un peu important, quand même. Ouais, des trophées, mais je m'en bats les steaks, moi. Il est où, mon laboratoire? De musique? Il y a des chats qui font la fête dans mon salon. Je te demandais si t'avais vu le questionnaire sur Discord. C'était important. Eh hey, mais ça a le prix de chat là. La cuisine peut-être. Oh, les gros tas de merde. Ouais, mais ça va pas être fastoche d'y répondre. Pardon, bah gros. Dove a réussi, hein. Si Dove a réussi, tout le monde est capable de répondre à ce truc. C'est ni plus ni moins des réponses qui ne dépendent que de ta vision des choses, en fait. C'est comme si je te demandais, est-ce que t'aimes bien la pizza, je sais pas, moi, à l'ananas, et oui, non. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah c'est dégueulasse. C'est du même niveau, quoi. C'est méchant pour Dove, ça. Ok. Ah, il me manque de la worry free herb. Fait chier. Il a dit que c'était au premier étage, donc c'est là. Bah elle est là. Non? Putain, mais quel emmerdement. Est-ce qu'elle va être cette foutue herbe? Table basse, pas... Et ça, c'est sortir, ça m'intéresse pas. Hmm.
Et gros, le mec, il vient, il y a des gens qui lui parlent sur le chat, il répond même pas. Quel est ce malpoli? Il faut répondre aux gens, Clément, quand on te parle. De toute façon, moi, je vais arrêter pour ce soir. Mais voilà, du coup, Nobag, tu peux le tutoyer aussi. C'est un sale con, il mérite aucun respect. Donc tu peux lui dire tu, sans problème. Je réponds à sa place puisqu'il a un peu du mal. Bon, ouais, c'était sympa ce petit jeu. Gratos en plus, c'est cool. Mais du coup, effectivement, ouais, c'est chiant que ce soit en anglais. Moi aussi, il y a des trucs que je comprends pas tout. Mais sinon, putain, il est bien. Il est beau. L'ambiance est cool. Les enquêtes, on les rush bien. Bon. Sur ce, moi, la fatigue a raison de moi. Donc, je m'en vais. Donc je vous dis bonne soirée, puis ben, je reviendrai sûrement demain avec peut-être du Monster Hunter. Mercredi ou jeudi, peut-être du Among Us. Il faut que je recale du Rocket avec la team. Donc voilà le planning à peu près de la semaine, quoi. À quelque chose près, ça va être ça. Et ben, merci en tout cas d'être passé. Bonne soirée à vous. Bonne nuit, tout ça. Et puis bah, à la prochaine. Ciao.